c'est la première fois que j'ai pleuré dans le tracteur, donc c'était quand même un événement que on ne peut plus oublier. Ik was er 10 jaar geleden bij in Chennai en ik heb daar gezien dat we moesten samen iets doen, samen iets proberen bereiken, samen een merk opbouwen. Es war für mich persönlich eine Herausforderung, eine eigene Marke mit zu gründen und ja, in die Geschäfte zu bringen aufgrund der desolaten Lage. Das Gefühl, das wir damals hatten, ich glaube, das betrifft nicht nur mich, sondern auch die anderen, die damals dabei waren, als wir in der Molkerei standen und zum ersten Mal die Flasche in der Hand hielten, war für uns alle mal, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Moment. Mais c'est ce challenge-là qu'on doit absolument essayer de relever, c'est d'avoir cette fédération entre consommateurs et agriculteurs. Et aussi longtemps qu'on aura cette communion avec eux, eh bien je pense que j'aurai toujours l'énergie nécessaire pour pouvoir me battre pour défendre la marque. C'est pas du vent, c'est pas de l'illusion. Vous avez traduit finalement ce désespoir, cette désespérance en un beau projet positif et mobilisateur. Donc Air Société et Faircoop, quelque part, à mon avis, on est complémentaires. Faircoop, c'est une coopérative d'agriculteurs. Nous, on est transformateurs, donc c'est très intéressant comme démarche pour nous de pouvoir collaborer avec une coopérative agricole. Herbel, c'est des produits de proximité, c'est Herve, donc ce n'est pas loin de chez nous, nous sommes à Andenne et ces produits sont à destination du marché belge. Donc au-delà de ce caractère de proximité, la qualité en fait des ingrédients et la manière dont ces ingrédients en fait sont pensés font qu'on fait, je pense, un pas de positif pour un meilleur monde demain.
Bah, moi, ça me fait plaisir que le consommateur puisse se dire que bah, j'ai fait quelque chose de bien quoi, avec Firbel. On s'est associé, on a fait une belle coopérative et je ne tarie pas d'éloge sur le principe de la coopérative et pouvoir, quand on a fini l'année, avoir un bilan positif et pour pouvoir toucher du bonus compensatoire grâce à ce que les consommateurs maintenant réfléchissent où ils veulent mettre leur argent. Je pense que chacun dans son entourage connaît les agriculteurs. Certains ont vraiment beaucoup de difficultés à obtenir un juste revenu de leur production. Et le fait d'acheter un produit permet justement de redistribuer une partie de la somme aux agriculteurs coopérateurs. Ich denke, das Wichtigste ist, dass die Bauern verstehen, dass sie zusammenstehen müssen. Gemeinsam sind wir unheimlich stark. Wir haben ein wichtiges Produkt in der Hand, was jeden Tag auch gebraucht wird. Und ich wünsche mir, dass die Bauern richtig auf die Barrikaden gehen und der Politik den Marsch blasen. Denn das, was wir heute als Krise erleben, das ist das Ergebnis einer ganz gezielten Politik. Das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das Ergebnis einer falschen, fatalen Politik. In elk geval, wij zijn uiteindelijk, net zoals iedereen in de sector, streven wij naar een zo eerlijk mogelijke prijs voor de boter te hebben, een zo goed mogelijke valorisatie. En Firbel is daar een onderdeel van. Wir arbeiten mit Hochdruck an neuen Ideen und neuen Umsetzungen und es bleibt weiter spannend, würde ich sagen. Moi, c'est clair, je veux absolument dans 4-5 ans qu'on va encore doubler les volumes de vente, qu'on va augmenter le nombre d'agriculteurs qui sont dans la coopérative, qu'on va augmenter et doubler aussi le nombre des consommateurs qui sont chez nous dans la coopérative. Je pense que c'est très important. Si je me fais une perspective sur 10 ans, moi j'aimerais bien que Firbel, le lait équitable, qu'on soit le numéro 1 en Belgique, que ce serait la marque pour tous les Belges, une marque équitable,
On a encore plein de projets. Un des plus grands projets qu'on va mettre en route, on va commencer le 1er janvier la première collecte chez nos membres. J'espère aussi que dans 10 ans, on va collecter chez beaucoup d'agriculteurs. On va sortir des nouveaux produits. Je pense que Faire Belle, c'est un projet. Il ne faut jamais croire qu'on y est arrivé. Mais je pense que toute l'équipe, le nouveau CA qui est installé aujourd'hui, on est plein de motivation et on va continuer ce chemin comme on l'a démarré depuis le premier jour.